Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, place à une Opel de légende, la Commodore, que vous pouvez retrouver également chez Holden en Australie. C'est pour ça qu'on est allé faire un tour du côté de la piste de Mount Panorama, que vous pouvez retrouver déjà dans la description. Petite fiche technique de cette Opel Commodore, alors que l'on fait vrombir sa boîte de vitesse et surtout son moteur. Un poids de 1624 kg pour 450 chevaux et une vitesse de pointe limitée par sa boîte de vitesse. En effet, j'ai été assez surpris de voir que la voiture ne pouvait pas être réglée au niveau de l'étalonnage de la boîte, et donc ce n'est que 4 rapports qui vous seront proposés, et sur des pistes comme celle-ci, eh bien ça va être un réel problème, un manque de vitesse de pointe, et on regrette l'absence d'une cinquième vitesse dans la boîte. Ça aurait permis à la voiture de se sentir vraiment à l'aise sur tous les secteurs. En ce qui concerne la réalisation visuelle, rien à redire, c'est propre, c'est assez simple en même temps, mais les détails sont là jusqu'au petit crochet de remorquage sur l'avant. Un comportement assez particulier, elle est assez agile, facile à placer en virage, surtout sur des montées et des descentes comme ici à Bathurst. Et on en oublie presque sa largeur et sa longueur, un immense empattement sur cette voiture. Et finalement, eh bien, elle est gommée, cette grosse différence comparée aux autres voitures contre lesquelles elle courait à l'époque, comme par exemple des Mini Cooper ou des BMW Turbo. Eh bien ici, la taille et le poids, pour une fois, ça ne compte pas, messieurs, et ça fait plaisir à voir. En tout cas, je vous laisse profiter du son de cette voiture que vous pouvez voir évoluer donc sur la piste de Bathurst. Vous connaissez la tradition dans Track Day, on monte le son.